Toiture éventrée, murs cassés, poteaux électriques déséquilibrés par l'action du vent et pour couronner le tout, des maisons baignant dans l'eau. C'est le triste décor après le passage d'une violente tornade à Port-Gentil dans la nuit du samedi 9 mars 2024. Ça s'est passé depuis 3 heures du matin. Il y a eu un vent qui soufflait. Après ce vent-là, ça a un peu cessé. À 4 heures pile du matin, il y a eu maintenant un rage. L'orage là, ça a arraché le bois qui est derrière chez moi. Ça a cassé les murs des maisons qui sont déjà battues là. Après, c'est tombé. Le tonnerre a damé sur la toiture. Ça a enlevé toute la toiture. Donc depuis 4 heures pile, je suis debout avec les enfants en train de vider l'eau. La porte de ma chambre qui s'est ouverte toute seule et un téléphone qui traînait devant mon poste téléviseur s'est allumé. Donc ça a attiré mon attention. Quand je me mets debout pour demander qui a branché le téléphone, c'est à cet instant que la toiture de ma maison commence à se soulever et je demandais à ma femme de se lever pour qu'on aille au secours vers la chambre des enfants. Nous précipitons. Et c'est comme ça que le mur de la maison, après que la toiture est partie, le mur de la maison s'est abattu sur le lit. Outre cet établissement scolaire primaire, une trentaine de familles résidant dans les quartiers Salsa, Djengé, Tournant SEEG et Massoukou se retrouvent en difficulté, pour ne pas dire à la belle étoile. La pluie de ce matin vers les 5 heures du matin a vraiment causé beaucoup de dégâts avec le vent puissant et ça a soulevé la toiture. Donc nous avons subi des dégâts matériels tels que les tables bancs et les effets des enseignants et en même temps ceux des apprenants. Nous allons demander aux autorités du pays, de la transition, aux responsables politiques, ceux qui ont les moyens, aux personnes de bonne volonté de voir dans quelle mesure venir permettre aux Gabonais et aux Gabonaises qui ont été victimes de la nature de pouvoir être plus ou moins soulagés. Plus ou moins soulagés dans des circonstances qui devraient leur permettre de pouvoir retrouver pour certains une toiture. Toute bonne volonté en vue de soulager ces sinistrés dans les réparations de leur maison est la bienvenue. En ces temps difficiles où les matériaux de construction coûtent extrêmement cher, dans la ville économique notamment.